Et salut les crevettes, c'est parti pour un merchandising de folie de la vie, parce qu'il y a plein de mises à jour, il y a plein de choses qui sont sorties cette semaine à Disneyland, je ne pouvais pas passer à côté, donc on démarre tout de suite sur les chapeaux de roue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous, j'espère que tout le monde n'est pas malade, il y a énormément d'épidémies, de gastro, de grippe, de tout ce qu'on veut. Donc si vous êtes au fond de vos lits, si vous n'avez pas le moral, si vous êtes triste, si vous n'arrivez que des pépins, on est là pour se passer une bonne heure ensemble, enfin une bonne heure, 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, ensemble pour se remonter le moral. C'est parti pour un merchandising de folie, mes crevettes, je vous aime d'amour, on y va. On fait juste un petit tour au studio, je vais vous montrer du nouveau merch, c'est important, les nouveautés. Désolé Team Crevette, c'est bien, du shopping, c'est très bien, du merch, c'est très bien. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, donc il y a aussi de la news. Rien d'hallucinant, mais c'est aussi Disney News. Donc pour la première fois, il y a Disney News et Disney Merch, Disney Shopping. Vous voyez, c'est là parce que je comprends ce que vous avez, les petites crevettes. Bref, tiens, attends, voilà. Voilà, après tu iras chez Primark, et c'est pas faux. Donc, du Disney News, des petites choses que j'ai envie de discuter avec vous. Générique. Assez impressionnante, et j'ai demandé bien sûr au cast member de vous faire une démonstration parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète, et ça ne va pas, ce n'est pas possible. Alors Lucas, bonjour Lucas, bonjour. Comment ça va? Bien, ça va, et vous? Alors on va faire une petite démonstration de cette chose. Donc c'est un gant. Salut. Pour protéger la planète, on est bien d'accord. Ça pourrait servir au travail. Alors je sais, oh là là, un peu long. Ah, génial. Déjà, merci. Ah, carrément. Voilà. Et là, vous avez la lanière pour les enfants. Oui, pour ça, c'est plus petit. Voilà. D'accord. Voilà, 100 €, voilà. C'est ça. Une qualité dans la boutique de Lucas. Merci, voilà. Lucas. De rien. Merci. Alors, on se fait un petit point porte-clés ou pas? 7 €, regardez comme il est magnifique, génial. Alors ça, c'est tout nouveau, c'est tout beau, puisque la série revient bientôt sur Disney+. Faut être prêt, les gars. Bon, là, on connaît. Il me semble que j'ai vu... Attendez que je regarde... Oui, je chante, messieurs, dames, je chante. Elle est trop drôle, j'adore. Une petite nouveauté Grogu. Voilà, donc voici, pour 20 €, vous avez le gentil bonnet avec l'oreille. Ah, il était très très mignon, trop mignon. Encore, attendez, Grogu, il y a encore d'autres choses qui sont sorties, il faut que je trouve. On commence avec un bilan météo, le temps est maussade, je pense qu'on va avoir de la pluie, c'est pas ça, mais bon. Flight Force, on va en parler tout de suite, je vais mettre sous le Queen Jet, je serai mieux. Alors, l'info la plus importante, qui n'est pas non plus absolument incroyable, je me trouve sous le Queen Jet, c'est par rapport à l'attraction qui est juste derrière moi. Donc, on est avec Harry Oldman, Captain Marvel, on vole depuis le premier jour. Je vous l'avais dit, j'ai un gros problème avec cette attraction et je ne suis pas le seul, on est dans le noir intégral. Et alors, il y a quelques écrans, ils sont beaux par endroit, mais en soi, le ride, pour moi, il l'avait complètement abîmé par rapport à ce qu'on avait avant. La bonne nouvelle, ils ne vont pas fermer l'attraction, mais ils vont rajouter des lumières. Donc, ça se fera de nuit. Ça ne va pas être quelque chose d'hallucinant, vu qu'ils ne ferment pas l'attraction, ça va être des petits rajouts. On verra donc plus clair théoriquement. Un autre point que j'aurais aimé qu'ils améliorent, mais ça n'a pas été annoncé, c'est au niveau de la bande-son. Je l'ai dit, la musique, on ne l'entend pas assez par rapport aux voix des personnages quand ils parlent. Moi, je préférerais un ride, éventuellement, je n'entends pas les personnages, mais plus de la musique. Alors, je sais que c'est ce qu'on avait avant, mais la musique, pour moi, elle est trop en retrait par rapport aux voix. Donc, des petites lumières, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. C'est déjà un petit plus, un mieux, il faudra expérimenter, voir ce qu'il en est. Je serai un des premiers à le faire quand ce sera installé et je vous dirai ce que j'en pense.
Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les équipes américaines, quand elles sont venues après l'ouverture de notre Avengers Campus, étaient insatisfaites. Et au niveau du guest, le taux de pourcentage de satisfaction est très, 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 très faible. D'où les petits changements qu'il faut faire sans fermer l'attraction. Ça, c'est le point qui est quand même important. Alors, toute nouvelle, vous avez une lance Wakanda, très belle, Wakanda Forever. Donc, c'est la lance qui coûte 30 euros. Donc, la voici montée. Voilà, l'intégralité, ça fait ça. Voilà. Elles sont très très belles. Et donc, elles se, après, quand vous les achetez, donc elles sont en deux. Alors, le t-shirt des 100 ans, il vient de sortir au parc. Alors, il est pas sorti, il est sorti avant sur Shop Disney, mais il vient de sortir au parc. Donc, vous avez les copains, toujours hein, ce côté un petit peu art déco années 30, j'aime beaucoup. Enfin, années 20, hein, puisque c'est les 100 ans. 26 euros. Alors, ouais, je suis toujours étonnée parce qu'il y a des prix complètement tellement disparates. Alors, on a des t-shirts à 50 euros, on a des t-shirts à 20 euros, on a des t-shirts, c'est un truc de malade. Donc, celui-ci, je le trouve très beau. Sur le côté, vous avez la signature. Attention, pardon, Disneyland Paris, voilà. Et donc, vraiment, il est chouette, il est sobre, j'aime beaucoup. Donc là, vous êtes au studio 1. Enfin, vous êtes à Front Lot. Vous voyez, il y a notre ami Goofy dehors. Non seulement maintenant, vous avez donc les 30 ans, le jersey qui est revenu, mais vous avez aussi les 100 ans de Disneyland Paris. De Disneyland Paris, n'importe quoi. Les 100 ans de Disney, donc très beau. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le design art déco, comme je vous dis toujours. Et regardez bien les boutiques quand vous vous y promenez, les éclairages qu'il y a pour les personnages. La mise en scène est vraiment super belle. Voilà. Donc nous sommes en février. Février, tout doucement, les différents spectacles vont revenir à Avengers Campus. Les personnages qui se baladent, les shows, on va retrouver la garde du Wakanda, les personnages vont revenir, ça va se faire progressivement. Et bien sûr, ça va dépendre également des conditions météo. Mais ça a été annoncé. Février, ça va être le retour des shows ici. Je précise bien, faut pas non plus dire, mais je suis venu, s'il fait très très froid, s'il pleut énormément, beaucoup de vent, il y aura pas. Les spectacles de combat qu'on avait sur les toits doivent revenir également, donc à surveiller de très très près. Je vais annoncer la dernière Disney News avec la sortie de Ant-Man Quantumania. Disneyland a annoncé que pour la sortie du film qui est le 15 février, on y arrive, là c'est très très, c'est la semaine prochaine, 10 jours, ça va vite. Il devrait y avoir des surprises sur le parc. Il n'y a rien de plus qui a été annoncé. Alors moi, j'aime rêver. Notre chaîne s'appelle Orange Dreams. Qui me dit surprise, j'ai envie de croire, si on réfléchit, on a un seul méchant Loki, j'ai envie de croire à Kang. Et j'aimerais tellement le voir arriver sur le parc. Donc, surprise, donnez-nous Kang. Merci. Oh, mais c'est extraordinaire, regardez ce que je trouve tout de suite en arrivant. Vous avez aussi maintenant la recharge de savon pour le pousse-mousse, on pousse et ça pousse. Oh, mais c'est trop mignon ça. Oh, c'est en pamplemoussaille, hein, pamplemoussaille. Donc voilà, il y a la recharge. Un prix pour la recharge? Bon, non, ben, voilà, c'est très sympa. Je pensais pas, je sais pas, il y a peut-être un prix quelque part. Toujours le pousse-mousse, 5 euros, merci la petite voix, c'est magnifique, extraordinaire. Oui, c'était marqué dessus comme le porc. Salut! Donc pour la collection des 100 ans, on vous met à jour un petit peu la collection qui arrive toutes les semaines des nouvelles pièces. Alors nous avons un très très joli cadre à 30 euros, voilà, pour les 100 ans. Clochette, le château, donc c'est du 4 cm, non pardon, c'est du 4 x 6, donc c'est 10 cm sur 15 cm environ. Voilà, et la masterpiece, ça va Goofy? La masterpiece c'est le Rubik's Cube, alors le Rubik's Cube avec Mickey... Il est très beau, hein, les couleurs, il est très très beau. Mais voilà, c'est un vrai Rubik's Cube. Alors on vous explique, hein, on vous explique comment la folie du Rubik's Cube peut s'entretenir. Donc voilà, l'original product, c'est un vrai Rubik's Cube, c'est pas une copie. 20 euros. Sur les faces, vous avez tout ceci. C'est très sympa, très sympa. Je vous souhaite bonne chance avec le Rubik's Cube. J'ai connu mes années Rubik's Cube, c'était une grande folie. Je ne pouvais pas m'en passer.
et on faisait des concours de vitesse. Ah, les belles années Rubik's Cube. Ah, les années 80, les Walkman, la télé avec trois chaînes. Ah, la folie. Et la 5, y en a plus. Bon, allez, j'arrête. Débrouiller tout seul, on peut compter sur personne. Hein. Alors, de la nouveauté Pins pour la Saint-Valentin, les amis. Voilà. Donc, nous avons notre ami Stitch avec tout un petit combo de Pins. Nous avons toujours Stitch avec Love You. J'aime bien le nacré du cœur. Nous avons notre petit Winnie avec des petits cœurs. Il est trop, trop mignon. Oh ben voilà, voilà Piglet avec tous les petits cœurs pailletés, c'est très très joli. Donc il y a une lanière qui est sortie, que je vous montre. Voici la lanière, voilà, qui est très jolie, avec, pour mettre votre passe, Angel Stitch, parce que c'est l'amour. L'amour, c'est important. On continue dans l'amour toujours. Toujours pour la Saint-Valentin, donc on a Lapin qui est très en retard, bien sûr. K, qui, à mon avis, prépare un petit coup pour sa Saint-Valentin. Bah, Sibac est tout petit, jeune, tout mignon, très très joli ce petit pit, très très joli. Donc là, nous avons Raja, Lumière, et Mouchou qui nous manque beaucoup dans Art of Animation. Voilà. C'est très sympa pour la Saint-Valentin parce que la mûre, c'est important la mûre. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a le moral. Enfin, attends, Mossad, c'est insupportable, à part ceux qui habitent le Sud, bien sûr, on fait des gros bisous vers le Sud. On vous embrasse très fort. J'espère que ceux qui ne vont pas bien iront mieux après ce immersion, que ça leur mettra du baume au cœur. On a plein de jolies choses à vous montrer. Et là, particulièrement, bah, ça me rappelle mon enfance. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est nouveau. Alors, vous avez des sorte de... Bah c'est les poupées en version comme des Barbies articulées et vous pouvez extrêmement leur changer. Bah voilà, par exemple, là nous en avons une qui peut avoir un chien. Là nous avons du Belle, donc il y a des accessoires pour la maison. Enfin c'est exactement comme Barbie, vous pouvez les habiller, les déshabiller, leur trouver des... Voilà, des... Vous pouvez leur mettre les chaussures que vous voulez, elles ont un petit sac. Il y a plein plein de choses. Donc on va trouver tout de suite les prix de ces merveilles. Par exemple là nous avons Jasmine. Attendez, je vous montre Jasmine, donc c'est le mode de vêtement Jasmine, et donc Jasmine est blonde, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors à mon avis c'est surtout que la poupée en fait est habillée avec les codes vestimentaires de Jasmine, c'est-à-dire le bleu, voilà, on a Raja, vous voyez. Là par exemple, la princesse qui normalement on penserait tout de suite à Tiana, et en fait non, Tiana est habillée en Belle. Donc voilà, c'est très sympathique. Là par exemple, on a une princesse qui va l'air un petit peu d'origine asiatique et qui est plutôt en Tiana. Donc c'est très sympa, tout est mélangé, c'est très sympathique, voilà. Donc 30 euros. Et les accessoires, par exemple, si je prends cette voici, les accessoires sont à 17 euros pièce. Je regarde pour les vêtements parce que là c'était des accessoires. Est-ce que là par exemple... Non, c'est 17 euros la boîte. Donc pour vos petites filles ou petits garçons qui veulent jouer à la poupée, eh ben, on a toutes ces nouvelles poupées qui viennent d'arriver au parc. Donc on a bien compris que en fait les princesses sont d'origine, on s'en fiche un peu. C'est juste que vous avez les vêtements qui sont dans, par exemple, ce mode de princesse. Donc par exemple, si vous achetez Tiana pour les vêtements et les accessoires qui sont ici, mais la princesse ne sera pas forcément Tiana. Tiana, par exemple, vous l'avez ici, mais habillée en Belle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, toutes les princesses représentées. Ok, donc là on n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans l'origine de la princesse, on est plutôt dans les accessoires de la princesse. Et la poupée, bien sûr, est représentative, bien sûr, de tout le monde. Et ça, c'est très bien. Ah, je craque complètement. Regardez les petites chaussures, comme c'est joli, avec la petite jupe, le petit sac. Très très jolis accessoires. Hein. Ah, effectivement, hein, les vêtements ne sont pas les vêtements de princesse que l'on connaît d'habitude. C'est des vêtements beaucoup plus modernes, un peu comme on avait vu dans Ralph. C'est très sympa pour les petites filles, ça leur parle beaucoup. J'adore le petit sabot Blanche-Neige, quoi. Très, très sympa. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent des poupées plus traditionnelles,
effectivement, à Emporium, vous avez toutes les poupées avec les tenues d'origine. Voilà, attendez, je vous montre. Il y a Aurore, voilà, Blanche-Neige, Mulan, bon, on connaît tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et on ne peut pas leur changer les vêtements. Que serait un Disney News sans un bilan météo? Donc le point météo du jour, c'est une fois de plus, c'est un Disney News et il fait un temps de merde. Je vous l'avais annoncé dans la première Disney News de l'année, le retour de Disney News sur la chaîne All Around Dreams, la seule, l'unique, la vraie. Eh ben, regardez, It's a Small World, ça avance. Je ne sais pas cette structure à quoi elle sert, s'ils nous mettent quelque chose pour une nouvelle entrée ou si c'est un échafaudage pour, je ne sais pas. Je peux pas vous en dire plus. En tout cas, ça avance bien. L'ouverture, je rappelle, c'est au printemps. Donc, c'est très, très, très bientôt, même si là, d'un point de vue du temps, on est loin du printemps. Plan météo, il ne pleut plus. Le temps s'améliore, c'est déjà ça. On est devant le Cable Bake Shop. Donc, je vous donne une info. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais mettre des panneaux pour éviter que les gens pensent entre moi et la caméra. Maintenant, si vous venez avec un récipient, alors attention, il y a des conditions. Il ne faut pas qu'il soit ébréché, il faut qu'il ait un couvert, il faut qu'il soit propre, il faut que ce soit un récipient conçu pour mettre un produit alimentaire dedans. Si vous venez avec pour chercher votre boisson, là, vous avez 20 centimes de réduction. Donc, je vous ai dit, c'est une info, vous en faites ce que vous voulez. Il y a qui c'est que j'ai trouvé le panneau, je ne sais pas s'il est mis ailleurs. Je vous donne ça, faites-en ce que vous voulez avec. Perso, je ne viendrai pas avec mon récipient sous toutes ces conditions. C'est un fou. Ce que vous voulez avec. Il y a de la poupée, il y a de la poupée, et il y a du Toy Story. Pour 59 euros, vous êtes dans Toy Story 2. Alors, je vous les avais montrés, parce que je les ai eus à Noël sur le shop Disney par mon mari. Donc il y a Jessie, Woody et Pile-Poil. Regardez comme ils sont beaux. Moi je ne les avais pas sortis parce qu'effectivement je vais les laisser en boîte. Mais elles sont magnifiques. 59 euros, on est donc chez Harrington. N'hésitez pas, elles sont très 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 belles. Alors niveau nouveauté, nous avons ces splendeurs qui sont sorties. Ariel pour 199 euros. Regardez comme elle est magnifique avec sa petite fourchette dans la main quand même. Avec Polochon, très très belle sur son rocher. Là nous avons Maman. Hein, ma mère naturelle, 199 euros. La sublime Ursula, regardez comme elle est belle. Qui fait la tête? On se demande pourquoi. Clochette qui est magnifique, elle est donc, regardez comme c'est beau, les détails, le collier en perles, l'encrier, le petit miroir, le dé, il y a tout. 199 euros aussi, donc c'est trois superbes figurines qui sont sorties, enfin statues qui sont sorties cette semaine. Pareil, vous les trouvez à Harrington, je pense qu'elles sont aussi... au village, bien sûr, dans la boutique The Art of Disney. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors, il y a eu une soirée cast member cette semaine. Certains cast members ont montré donc des choses qui leur ont été divulguées, montrées par la direction Disneyland Paris. Donc nous avons déjà un petit écho que la collection, enfin une partie des modèles de la collection du show Rêvons et le monde s'illumine, donc Ready for the Ride, pour que tout le monde appelle comme ça, les t-shirts sortiraient mi-avril. Mi-avril, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'anniversaire de Disneyland Paris, donc ce serait génial que ça sorte le jour de l'anniversaire de Disneyland Paris. Je serais hyper contente. Deuxième chose, le merchandising que vous avez vu sur le shop Disney pour les 100 ans, qui vient des États-Unis, sera dans le parc à partir de mi-février. Donc il y a des très belles choses, il y a le château d'eau, vous avez des choses pour le bureau, enfin... une collection à découvrir avec des statuettes, avec plein de choses, avec Oswald. Donc nous, on attend réellement très très vite que cela arrive dans le parc. Attendez, mais les 100 ans, j'en ai vu à Primark. Et si on faisait un petit saut à Primark quand même de temps en temps, hein? On y va, hein? Je vous emmène. C'est parti, Val d'Europe, Primark, la folie, les prix, la folie. Mais on y va, je vous dis qu'on revient, on fait juste un saut. Allez, on y va, allez. Du coup, pour les 100 ans, on vous a sorti une petite collection que je vais vous filmer très discrètement. 14 euros le pantalon. Là, on a des barrettes 4,50 euros.
un petit pull à 16 euros. Hein, c'est une petite cotonnade. Là, vous avez une poche devant. Hein, c'est doublé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le dos? Ah oui, pardon. Il y a quelque chose dans le dos. Voilà. Original and only Mickey. Voilà. Ça, c'est très sympa. Il y a un tote bag que je vous mets ici. Voilà, un joli tote bag à 5 euros. Très sympa. Alors, la qualité du coton est très sympa, très douce. 16 euros. Voilà, un pull avec Mickey et Pluto. Original 6/1928. Voilà. Vous avez aussi des Converse. Hey, des petites Converse très sympas. Voilà, toujours pour les 100 ans. Hein. Vous voyez l'étiquette. Elles sont à 16 euros. Donc ça va jusqu'au normalement 41 quand on trouve sa taille. Voilà le Teddy des 100 ans proposé par Primark. Très sympa. Voici. Donc là, vous avez la signature de Walt. Les écussons sur la manche qui sont absolument superbes. Franchement, 35 euros. Il est très très bien. Avec marqué dans le dos Walt Disney. Ah, je l'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs. Et la matière est complètement imperméable. Hein. Voilà les manches. Pareil, vous avez un petit retour. Dedans, il n'y a rien de spécial. Je crois que la doublure est une doublure matelassée. Mais franchement, c'est très sympa. Petit pull très court qui se porte sur une jupe ou un pantalon. Moi, j'aime beaucoup. 14 euros. Il est très beau. Il est tout doublé. Voilà, il est très sympa pour les 100 ans. Dans le dos, il n'y a rien. Mais la forme est assez sympa. Franchement, je le trouve très, très joli. Bon, il y a un super merch, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, les petits chouchous à 4,50 euros. Trois couleurs. Vous avez aussi un petit tote bag avec, à 4 euros avec notre ami Pluto. Tout vert, très sympa. Le t-shirt que j'aime beaucoup, là, qui est très, très, très... un petit orange très sympathique aussi. Voilà, Disney Originals. 10 euros. Franchement, 10 euros. Alors là, vous avez jusqu'au double XL. Hein. Des chaussettes. Attendez que je vous les montre, les chaussettes. Voilà, des chaussettes. 4,50 euros. Trois paires de chaussettes. Petite couleur sympathique. Alors, Donald Duck, regardez-moi ce sac. Voilà, encore un énorme tote bag à 5 euros. Il est absolument génial. Tout orange. Avec marqué Donald Duck partout sur les hanches. Très sympa dedans, bon bah, c'est vraiment le tote bag basique. Hein. On aimerait bien en voir des comme ça au parc. La casquette des 100 ans, très sympa. Alors que je vous la montre, celle-ci, elle est à 6 euros. Et alors, elle est très sympa, donc très aérée pour l'été. Voilà, et là, vous avez donc Mickey, toujours avec Pluto. Donc, on voit bien que les personnages qui sont utilisés, hein, c'est particulièrement Mickey, Minnie, les personnages de base. Il n'y a pas de Oswald. Je pense qu'il y a certaines autorisations qu'ils n'ont pas, même s'ils ont... acheter la licence. Petite chaussure, 18 euros pour les 100 ans. Voilà, très sympa. Voilà. C'est vraiment une basket tennis. Hein. Très mignonne. Très, très sympa. Un super t-shirt, grande taille. Vraiment grande taille, très long. Disney Originals. Donc celui-là, il est à 7 euros. Il est très, très beau. Tout bleu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours pour les 100 ans, on a des chaussons très drôles avec Pluto. Celui-ci, ils sont à 11 euros. Voilà. Chaussons, Pluto. Mais voyez Pluto. La petite trousse, elle est à 8 euros. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. On continue nos recherches. Petit pyjama au cours avec short, 13 euros. Voilà, toujours pour les 100 ans, voici le short qui va avec. Faut penser à ce que vous allez mettre cet été, vous pouvez couper ça avec un jeans, c'est hyper sympa. Un petit t-shirt de l'amour, de la Saint-Valentin si on veut, et pour les 100 ans, toujours pareil. Alors voyez, regardez, c'est rigolo avec tous les petits M dedans. Mickey et Minnie, voilà. Alors le prix de cette chose, donc là vous avez quand même aussi un petit estampillage avec notre ami Walt Disney qui a mis sa petite signature. Et le tout pour 11 euros. Petit débardeur avec pyjama short, très mignon, avec Pluto, voilà, très très sympa. Oh, mais regardez cette merveille que je vois au-dessus,
Donald 1934. Alors, on a du Donald 1934 avec la signature de Walt, toujours 13 €. Le dos est juste incroyable. Voilà, super chouette. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah, on a du petit chausson mini. Regardez comme c'est mignon, les petits chaussons mini. Ils sont très, très jolis. Tout rouge, Mickey et Minnie brodés dessus. 9 €, les petits chaussons brodés Mickey et Minnie. Regardez comme ils sont chouettes. Toujours avec Mickey et Minnie dedans. Voilà, c'est sympa, très sympa. On continue. Alors, c'est un sweat avec tous les copains dessus, 17 €. C'est une matière un peu comme du polaire pour la maison. Je pense que ce sont plutôt des articles pour la maison. Voilà, dessus, vous avez donc tout le monde. Il y a donc pour pouvoir serrer un petit peu. Et voici, l'estampillage sont... On finit avec un petit pyjama très sympa. Voilà le modèle. 12 €. Mickey et Minnie toujours en avant pour cette collection qui est très très mignonne. Petite pochette toujours pratique, 5 €. Regardez comme elles sont jolies, Primark. Moi j'adore les pochettes, j'en ai 152 000. Voilà, toujours pratique quand vous avez voilà, des choses à mettre, quand il pleut un petit peu, vous avez envie de mettre vos petits cachets, mettre voilà. C'est toujours sympa, 5 €. En plus, elle est vraiment très mignonne. Alors je vous avoue, j'ai très chaud. Il fait très chaud, il y a 250 millions de personnes. C'est le dernier week-end des soldes. Autant vous dire que c'est la folie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc je suis partie. Je voulais craquer pour des choses du centième. Deux tote bags, je voulais me prendre des chaussures, tout ça. Et du coup, bah, j'ai tout laissé parce que c'est bon, quoi. J'ai l'impression de sortir du sauna. Je suis du sauna. Voilà, c'est du sauna. Donc là, je vais me rentrer. Je vais retourner à Disneyland Paris, à la maison, devant Château. Eh oui, juste un petit saut. Je vous ai dit, attention. Elle est bonne, celle-là. Allez, on y va. Incroyable. Alors ça, c'est un set pour deux personnes, donc pour le dessert. Il y a toujours un enfant qui pleure quand je fais mes merchandising, ça n'est plus possible. Je rigole. Donc voilà, donc deux petites fourchettes hein, à manger en amoureux. Voilà la pelle à tarte qui est absolument somptueuse, cette pelle à tarte. Hein, on regarde les dessins, tout, c'est sublime. Et donc le couteau pour couper la fameuse tarte. Bah voilà, pour la Saint-Valentin, vous offrir ça avec deux petites assiettes Disney. En parlant de petites assiettes Disney, bonjour. Bonjour. Alors les assiettes Disney, elles sont à 35 €. Une petite couleur, ça fait très nature, très, très sympa. Donc il y a 4 modèles différents, je vous les montrasse. Donc voilà, elles sont ici, voilà. C'est sympa, j'aime bien. Dans la gamme dessert, nous avons un cake topper, donc décoration pour sommet de gâteau. Pour les mariés, pour des anniversaires, pour même restant décoration dans l'appartement, ça ne gêne personne. Voilà, donc cette merveille fait 70 €. C'est une belle pièce. Voilà, pour ceux qui ont des grandes cérémonies ou même qui veulent faire un très beau gâteau. Donc, ou même une décoration, je vous dis, hein, vous faites un thème, vous mettez ça au milieu de la table en centrale, c'est très très sympa. Et donc ceci, figurez-vous que c'est un pot à plantes, voilà, qui est très joli. Nous avons un petit prix de 30 €. Ça va avec les assiettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Un petit côté nature, un petit côté écolo, j'aime bien. Voilà, tout ça, c'est chez Lily's Boutique. Et donc, faites-vous, on va dire, des anniversaires somptueux de princesse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo mixte. Oui, j'ai mis ma capuche parce qu'il y a un temps de cochon. Donc on va quand même préserver ces magnifiques cheveux qui ne frisent pas facilement. Je plaisante. Bah écoutez, je prends énormément de risques pour faire ce merchandising. J'espère que vous en avez conscience. L'appui, Christophe, sorte de temps maussade dégueulasse. J'espère vraiment, vraiment que vous m'aimez. Alors les poupées, il semblerait, parce que effectivement c'est des initiales, ce serait peut-être I love you forever. Je sais pas. Est-ce que c'est une théorie de ma part? Est-ce que je vais trop loin dans le raisonnement de quelques lettres? On ne sait pas, on ne sait pas. Je suis désolée, il y a un torrent qui est en train de me tomber sur la tête. Donc autant vous dire que je ne peux plus réfléchir. Voilà. Plus le nœud, plus ça, plus il y a trop de choses. Voilà, on continue les petites corvettes. On y va. Donc vous pouvez voir derrière moi, nous sommes au village. Les tours de Guérig sont en train de disparaître. C'est en bonne démolition. Ils ont déjà rasé des choses, notamment au niveau de la Seine.
Donc, vous voyez le concept art, ce que ça devrait être. Théoriquement, c'est beau. Moi, j'ai hâte de le voir et surtout de goûter la cuisine en espérant, je l'avais déjà dit dans le Disney News, avoir de la paille. Et en tout cas, ça avance énormément et on va un petit peu plus loin parce que c'est aussi en beaux travaux. Et oui, je confirme, on a un temps de chiottes. Donc le café Mickey, je ne sais pas si vous entendez bien, mais pendant que je parle, il y a des travaux qui ont lieu alors que nous sommes le week-end. Donc ça bat son plein. Ils ont bien attaqué derrière, ils sont en train d'exploser. Donc en soi, le café Mickey, je crois que je m'étais déjà exprimé là-dessus, c'est pas, je ne peux pas dire que je vais le regretter. Je trouvais que c'était très cher pour ce qu'on mangeait, sous prétexte qu'il y avait des personnages qu'on peut voir gratuitement, entre guillemets, une fois qu'on est dans le parc. Donc je n'avais jamais trouvé la nécessité de le faire. Ça va être une brasserie, c'est ce qui manquait, notamment pour les touristes étrangers. Je pense que ça peut être très intéressant pour eux d'avoir une brasserie type parisienne. Donc on verra ce que ça donne au résultat et au niveau de la carte, mais je pense qu'ils vont me voir. Ils vont me voir. Là-bas est le pub. Deux endroits, ils vont me voir ici. Là, on se dirige vers le Lego Store. Tout ça parce que pour les 100 ans, Lego a sorti une petite boîte. Et moi, j'ai déjà pas mal de... J'ai Toy Story, j'ai eu pas mal de choses. Ils avaient sorti Picsou, ils avaient sorti Riri, Fifi, Loulou. Et là, ils ont sorti 4 personnages dans une seule boîte qui coûte 39,99€. On va aller voir ça tout de suite, j'espère qu'il en reste encore pour vous montrer et peut-être potentiellement l'acheter. Le Lego Store, qu'est-ce qu'on a dans le Lego Store? Enfin la boîte pour Disney 100 ans, D100 on appelle ça, de Bricks Heads. Voilà, donc là nous avons Oswald, Mickey, Blanche-Neige et Pochette. Effectivement ce sont 4 personnages assez emblématiques. Très emblématique de ces 100 ans qui viennent de passer. Moi je suis très contente, j'aime beaucoup cette boîte, 39,99€. Je me suis acheté ma boîte et effectivement j'ai trouvé à la caisse une petite surprise qui s'appelle le passeport Lego. C'est hyper sympa. Bon alors c'est pour les enfants normalement mais on s'en fout quoi. Donc là vous mettez votre nom, il y a un petit personnage sans rien, parce qu'il y a une petite surprise. Donc là, aujourd'hui, j'ai mon premier tampon. Dans chaque boutique Lego à travers le monde, on vous le tamponne comme un vrai passeport. Donc c'est hyper drôle. Monsieur m'expliquait qu'il y a un petit garçon qui est venu et qui avait des tampons de Roissy Charles de Gaulle. Et là, le petit bonhomme que vous avez vu au début, vous pouvez complètement le customiser selon votre physique, avec les étiquettes. Je trouve ça super drôle. Je suis super contente de l'avoir. J'ai un passeport Lego. Et pas Chris. Ainsi se termine ce Disney News, mais pas le merch. J'ai démarré au studio, j'ai voulu revenir ici. Donc voilà, rien d'hallucinant, mais des choses, notamment pour l'attraction là-bas, Flight Force, j'ai vraiment envie de voir ça. Ben, je vous dis à une prochaine, il y aura du vlog, il y aura d'autres choses, mais bon, après elle est comme ça, donc je vous laisse avec le merch. Les crevettes, crevettes. C'est bien, un homard. Un homard, pas le prénom, le homard, l'animal. Under the sea. Bye bye. Et puis c'était un crabe en plus. Bon, alors je vous les ai filmées tout à l'heure à Harrington, mais là effectivement, déjà elles sont allumées grâce à nos chers casse-mêmeurs qui sont ici. Bonjour! Et regardez comme c'est beau, regardez le pliage qui est allumé, c'est super belle. Les murennes elles sont sublimes aussi. Bon, effectivement, il y a un air de ressemblance avec moi, je ne dirai pas plus. Enfin, c'est pas le, voilà, le lien familial qu'il y a entre nous. Et donc Ariel, qui ne porte pas Fourki, hein, les blagues de ma chère collègue Clarisse. Et regardez comme c'est beau avec le rocher. Là, elles sont superbement présentées parce que tout à l'heure, je vous ai mises en vitrine. Là, on les voit vraiment de près. Regardez le travail qui est fait dessus. Donc, toujours 199€. Alors, c'est bien déjà, on a plus 199,99€. Hein? Déjà, il y a un énorme truc. Et regardez là, le rocher. Donc, il y a des endroits qui sont allumés. Et je jump de l'autre côté pour vous présenter. Donc, celle qui a l'attitude que je préfère faire au monde, c'est-à-dire je boude. Regardez comme elle est belle. Regardez les ailes qui sont éclairées. Ah là là, les ailes éclairées, ça change tout, quoi. Voilà la petite bouteille. Mais alors vraiment, les ailes éclairées, je trouve que c'est le petit détail qui est fou. Super, vraiment. Très, très beau. Bah, la Saint-Valentin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a pas de souci. Les fleurs, c'est bidon. Le parfum, c'est déjà fait. Clochette, le top. Alors on me précise que ceci est une vraie plume, donc en fait vous avez vraiment réellement quelque chose au bout qui vous permet d'écrire avec.
Donc vous pouvez même mettre de l'encre, enfin faire ce que vous voulez, comme d'habitude sur un bureau. Non, non, c'est vraiment une superbe pièce, définitivement. Alors je vous présente cette petite, cette nouveauté gros goût, hein, toujours pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont besoin de petits accessoires gros goût, très mignon, toute nouveauté, vient de sortir, superbe. Et c'est à 18 euros. Voilà mes crevettes, vous prenez bien soin de vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je sais que les mois de janvier et février, c'est pas des mois faciles, on est souvent déprimés, l'argent... Ben là, ils vont être moins déprimés, il y a eu la news, il y a eu du Disney News. Hein. Excusez-moi, j'ai pas du tout aimé la façon dont vous êtes arrivé dans mon vlog, c'était mon vlog. Je me suis fait dégager comme une malpropre. Non, si non. Monsieur, c'est beaucoup monsieur... plus présent, j'ai fait des petites news en passant. La news la plus importante, c'est que je vais bien. Et qui fait un temps de chiottes. Voilà, on vous embrasse, on vous aime très fort, on pense fort à vous. Soyez forts, soyez positifs, soyez solidaires. Et en avant, mes petites crevettes, pour une prochaine... Il arrête ? Pour une prochaine vidéo, on vous aime d'amour.